aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un haul Boohoo parce que j'ai passé commande, une grosse commande. J'ai reçu deux énormes sacs comme ça en deux parties, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus je suis allée les chercher le même jour, il y avait les deux d'un coup, bref, du plastique en plus, hein, mais bon c'est pas grave. Il fait hyper froid aujourd'hui, donc j'ai mis mon petit chauffage soufflant, j'espère que vous n'allez pas l'entendre, j'espère que ça fait pas trop de bruit, mais clairement les essayages sans ce petit chauffage je ne pourrais pas, sinon je vais mourir de froid. Enfin il fait au moins moins 10 aujourd'hui, c'est une horreur, mais il fait beau, donc on a une bonne lumière. J'ai aussi mis mon nouveau micro, j'espère que le son sera bon, je croise les doigts parce que c'est la première fois que j'utilise, j'espère que ça va bien se passer. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté. Je vois que j'ai commandé une paire de chaussures, je me rappelais même plus. Ah oui, exact. Voilà, c'est une paire de bottines noires. Alors je sais pas ce que c'est comme matière, on dirait un petit peu du néoprène, je sais pas trop, c'est très très bizarre, mais c'est des bottines chaussettes en fait, vous les enfilez comme des chaussettes avec un gros talon. Il est assez haut, mais je pense que comme il est assez large, il sera assez confortable et pas dur de marcher avec. Le bout est pointu. Oh, elles sont trop trop jolies, j'espère que ça va bien m'aller. Ouais, c'est bon, j'ai bien pris du 40, elles sont trop trop belles et j'ai pas de bottines noires, donc du coup bah j'en voulais. Et ouais, on verra bien ce que ça donne. Je vous montrerai tout à l'heure avec les essayages, mais trop joli. Et puis les chaussures, bah écoutez, ça va. Je suis un petit peu haute par rapport à ce que j'ai d'habitude. Bon, j'essaie avec un pantalon qui arrive jusqu'en bas. C'est pas si moche. Je sais pas trop quoi en penser les chaussures pour l'instant. Faut que je joue avec une autre tenue parce que là, ça va pas. Mais sinon, j'ai l'impression que je suis un petit peu haute et que je serais pas si confortable que ça. À voir. J'ai commandé. Ah oui, ce petit gilet. Oula! Je suis pas certaine en l'ouvrant. Ce gilet rose à pois blanc avec des boutons. Voilà, un peu comme ça. Il a l'air hyper chaud, hyper agréable, mais je suis pas certaine en fait de la couleur et du motif finalement. On verra alors quand je vais l'essayer, mais je sais pas, je suis plus très sûre là. Ça me paraissait plus joli en photo que maintenant. On verra. J'ai commandé un jean à trous, un jean un peu boyfriend à trous, voilà, taille haute. Avec quelques trous, ça fait longtemps que j'avais pas commandé un jean à trous. Et puis il y a des revers en fait au niveau du bas. Je pense qu'il arrive au niveau des chevilles ou peut-être un petit peu plus haut. C'est pas un jean slim qui va jusqu'en bas. Il est assez joli. J'aime beaucoup la taille et la forme. Enfin, j'adore. Donc je vais l'essayer avec le gilet. Bon, j'essaierai sûrement peut-être pas avec les bottines parce que ça va pas être très très joli ensemble. Alors le pantalon, franchement, j'aime bien. La taille haute, moi j'adore. Le style boyfriend, j'aimais pas trop avant, mais là j'aime bien en fait. Avec les trous, ça j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Celui-là, je vais le garder. Ça fait un style, ça change, j'aime bien. Et puis le gilet, franchement, j'aime bien aussi. Finalement, ça va. Je trouve que l'ensemble n'est pas si moche. Puis en plus, il est bien chaud. Honnêtement, il est super chaud. Je suis trop bien dedans. Et comme je manque de gilet, franchement, je vais le garder. Hein. Je sais pas si ça fait joli, si je le rentre un petit peu dans mon pantalon. Je sais pas, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ouais, j'aime bien. Ça change un petit peu, du rose comme ça, j'en mets pas souvent en plus. Ouais, j'aime bien. Ensuite, j'ai commandé un pantalon en simili cuir camel avec une ceinture. C'est un pantalon, vous savez, resserré à la taille. Oh, il me paraît tellement plastique. Ça fait tellement plastique là. Par contre, il a l'air quand même épais. Et ça a l'air assez quand même doux à l'intérieur. A voir au porté parce que là comme ça, franchement, ça me dit rien de bon. Pareil, il y a des petits revers au niveau des jambes. C'est un peu un pantalon carotte, effet resserré à la taille. Enfin, ceinture, avec... je sais pas trop ce que ça va donner. On verra aux essayages, mais vu comme ça, je sais pas, ça me parle pas. Ensuite, j'ai commandé, pareil, ah ouais, je voyais pas ça du tout comme ça le pantalon. Je voyais pas du tout cette matière. C'est un pantalon très très léger, assez fluide, violet. Alors je le voyais déjà moi plutôt bordeaux, mais bon, c'est violet finalement. Je vous mettrai les photos aussi pour que vous voyez, mais je ne voyais pas cette couleur là sur le site. Avec une ceinture à nouer, voilà, très fluide. Je pense que ça sera bien pour le printemps, mais là clairement vu les températures qu'il fait, je ne pourrais pas du tout le mettre. Mais ouais, je sais pas, la couleur, je suis étonnée d'avoir commandé une couleur comme ça, franchement, ça m'étonne de moi. J'ai commandé un petit body blanc effet col bardo, voilà, qui retombe vraiment sur les épaules comme ça. Je trouve ça trop joli. Et des blancs, j'en ai que avec des bretelles. Il est vraiment trop joli. Celui-là, il s'ouvre aussi en bas. Enfin, il s'ouvre en bas. Oh, il est magnifique. J'espère qu'il va m'aller parce que je le trouve vraiment beau. Il est assez épais. J'adore. Trop, trop joli. Alors,
Le body blanc en col bardo, j'adore, franchement, c'est magnifique. Il est hyper confortable, il est hyper agréable, j'adore, franchement, je vais le garder, c'est sûr et certain, c'est trop joli. Le pantalon, j'ai un doute, parce que comme l'autre, en fait, je suis hyper serrée au niveau des mollets, et du coup, ça, je suis bloquée au niveau des mollets, donc c'est pas très agréable. Je sais pas, je le sens pas trop, et puis on peut pas serrer, en fait. C'est voilà, c'est juste un nœud au niveau de la ceinture, on peut pas le serrer. Du coup, bah, je peux pas le serrer comme je veux et en fait la ceinture sert à rien clairement, sert juste à décorer. Donc c'est voilà, je suis pas fan et puis même je suis pas fan de la texture. Je trouve que le rendu est pas très beau. Enfin, ça se voit que c'est du faux cuir, que enfin c'est pas qualité, c'est pas quali quoi. Franchement, j'aime pas trop. C'est dommage parce que la forme j'aime bien. Avec le body blanc, ça rendait bien. Mais voilà, je trouve que la qualité fait vraiment vraiment plastoc et que c'est pas, je suis pas confortable dedans. Bah, je me sens hyper serrée dès que je bouge un petit peu, si je veux m'asseoir et tout. Donc ouais, non. Franchement, les deux pantalons que je viens d'essayer dans cette forme-là, c'est pas une réussite. Hein. Je vous conseille pas. C'est pas hyper agréable. Il me semble que j'ai commandé pas mal de body parce que bah, j'adore l'hiver, c'est trop trop bien. Parce que vous avez pas le vent qui passe en dessous vos vêtements, là c'est trop agréable. J'ai commandé ce petit top avec des manches un peu bouffantes, un col roulé et voilà les manches qui terminent comme ça. Couleur beige chair, voilà, j'ai pas énormément de trucs dans cette couleur là, donc je me dis que ça allait changer. Puis il me fallait des pulls comme ça pour mettre soit sous les pulls, soit pour bien rentrer dans mon pantalon pour pas avoir froid. On verra. J'ai commandé en fait pas mal de choses que j'ai pas l'habitude de commander, donc ça va changer, on verra bien. Alors le haut comme le noir, eh ben écoutez, je suis pas fan dans cette couleur. Je trouve pas que ça soit une couleur qui m'aille bien au teint. Je sais pas, en plus il est transparent donc ça me gêne un petit peu. Non, je pense que je vais le garder en noir mais pas en cette couleur là, tant pis. Et j'aurais dû prendre la taille en dessous parce que je le trouve un petit peu grand. Il me lâche un petit peu d'ici et puis des manches aussi. Mais le noir je vais le garder quand même parce que ça sert toujours, même si j'ai un petit peu grand, c'est pas très grave. Mais celui-là non, je vais pas le garder, je suis pas fan de la couleur. Ensuite j'ai commandé ce pantalon que je ne me souviens pas du tout avoir commandé. Mais pourquoi j'ai commandé ça? Ça devait être sur moi pour être chez moi en fait. J'ai dû commander un ensemble. Voilà, un pantalon un peu resserré là-bas. J'ai commandé ça moi clairement. Bref, beige, voilà. Pantalon pour traîner à la maison clairement. Mais j'ai pas, c'est pas un ensemble. Alors bah le pantalon, regardez celui-là. Bah écoutez, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je pense que c'était pour traîner chez moi. Mais clairement non, je suis pas très fan. Il est hyper serré au niveau de la taille. Donc vraiment pour traîner c'est pas confort du tout. Ouais, je sais pas hein. Franchement hyper transparent. Bon après on est bien dedans au niveau des jambes et tout. Mais je sais pas, beaucoup trop serré au niveau de la taille. J'ai l'impression que je vais plus pouvoir respirer dans 2 minutes. Donc celui-là, non, clairement non. Un autre body, manche longue, parce que j'ai que des manches courtes et j'ai froid l'hiver. Manche longue, elle fait effet cache-cœur. Voilà, celui-là aussi, il s'ouvre en bas avec une ceinture pour nuit à la taille. Voilà, on verra ce que ça donne. Ah, ce body-là, j'aime bien. La couleur chair, elle est jolie. Cette couleur, l'autre est un petit peu trop foncée. Les manches nickel, le décolleté, il est super joli. Il est un peu transparent, mais en mettant un soutien-gorge couleur chair ou rouge, ça se verra pas. Le nœud est carrément sympa. Bon, j'ai pas un jean qui est hyper taille haute aujourd'hui, mais franchement, j'adore. Celui-là, il est beau. Je vais le garder, celui-là, j'aime beaucoup. Hyper confortable. En plus, par contre, les pressions au niveau de l'entrejambe sont vachement à l'arrière. Donc, pour le fermer, c'est pas hyper pratique, mais franchement, j'aime bien. Celui-là, je garde, je suis trop bien dedans. Ah, j'ai repris le même haut que le beige, mais en noir. Parce que voilà, je manque de souple noir. Donc j'ai repris le même en noir. Alors le haut, j'aime bien. Franchement, j'ai l'impression qu'il est un petit peu grand quand même par rapport à mes manches, je sais pas trop. Mais je sais pas, j'ai peut-être un petit peu grand, mais au niveau du col, je suis pas trop serrée, donc c'est bien en fait. J'ai jamais trop le col roulé parce que je me sens toujours un petit peu oppressée au niveau de la gorge et j'aime pas ça du tout. Mais là, celui-là, ça va. J'ai juste l'impression qu'il est un petit peu grand au niveau des manches, mais bon, après tout, j'aurais pas froid. Les manches bouffantes, c'est sympa. Par contre, le pantalon, non mais... J'ai l'impression qu'il est pas du tout à ma taille. J'ai l'impression que c'est du 36. Je suis obligée de me retenir ma respiration pour le mettre. Et puis non mais regardez-moi ça. Je peux pas m'asseoir, sinon je pète tout, clairement. Voilà, j'ai eu du mal à le fermer. Et puis non mais ça va pas du tout, ça moule de trop. Je peux même pas baisser mon pantalon. Parce que si je me baisse, ça pète. Et puis si je peux pas baisser, et en fait une fois que c'est remonté, c'est bloqué. Donc ça va pas du tout. Sinon regarde, c'est joli, ça me fait une belle silhouette hein, franchement. Bon là on voit la marque de ma culotte, mais
Mais non, franchement, ce pantalon, ça va pas du tout. Puis déjà, voilà, je sais pas. La couleur est pas si moche, franchement. Je sais pas si vous allez bien voir. Et enfin, pour terminer, j'ai pris ce chemisier transparent. Oh, la matière, je pensais que ça allait être du plumetis, mais en fait, pas du tout. La matière est pas hyper agréable à toucher comme ça. Donc voilà, chemisier blanc, totalement transparent, voilà, avec des pois blancs. Évidemment, avec à mettre un truc en dessous, forcément. Mais voilà, il y a des petits boutons au niveau des manches. C'est assez joli. Par contre, la matière est pas très très douce, hein, donc je sais pas ce que ça va donner. On verra, une fois essayé. Alors la chemise, du coup, c'est de l'organza, en organza. J'ai mis un body beige en dessous, enfin un body chair en dessous, on va voir. Je sais pas, c'est joli, mais je sais pas. C'est pas hyper agréable. Je vais essayer avec la rentrant dans le pantalon, peut-être que ça sera plus joli. Bon, c'est un peu plus joli avec la chemise rentrée dans le pantalon. Alors avec un body blanc, c'est carrément beaucoup plus joli. J'aime beaucoup comme ça rentrer dans le pantalon, j'adore. Je trouve ça très très joli, franchement. C'est voilà, c'est un peu sexy, un petit peu working girl, j'aime bien. Honnêtement, je pense que ce body là ne convient pas forcément, mais avec un joli crop top blanc qui laisse un petit peu dépasser, enfin laisse découvrir un petit peu le ventre, ou une jolie brassière, ça serait beaucoup plus joli, ou un body avec un peu plus sympa, je pense que ça serait encore plus joli. Mais déjà comme ça, j'aime beaucoup bien, j'aime beaucoup. C'est très très joli, ça me change. En plus, je mets quasiment jamais de chemise, et encore moins comme ça. Mais ouais, j'aime beaucoup, franchement. Comme ça, j'adore. Avec le body beige moyen, mais rentrer dans le pantalon avec le body blanc, j'aime bien. Et puis les chaussures, bon, je les ai essayées comme ça, mais franchement, honnêtement, je pense pas que je vais les garder, parce que en fait, il n'y a pas de plateforme sous le pied, et du coup, le talon est trop haut pour moi. Je sens que je vais avoir mal au pied. C'est pas très confortable au niveau de l'avant-pied, et je vais avoir mal au pied dès que je vais marcher 10 minutes. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment très très jolies, mais pas assez confortables pour moi. Je les mettrai jamais, donc autant que je les renvoie, c'est sûr que je vais pas les garder, je vais pas les mettre. Bon, voilà, vous avez vu tous les essayages. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que plus de la moitié de ma commande, j'aime et je garde, et l'autre moitié, je renvoie. Donc tout ce qui était beige, nude, alors le pantalon en simili-cuir, j'aime pas du tout, je renvoie. Le violet, pareil. Les chaussures, je renvoie, elles sont très belges, mais je vais pas les mettre, elles sont trop hautes et pas assez confortables pour moi. Le pantalon beige, un peu confort pour rester à la maison, je renvoie, il me sert trop au niveau de la taille. Et puis le top, un peu manche bouffante, et puis en couleur chair mais foncée, je renvoie aussi. Je trouve que cette couleur ne me va pas trop bien au teint. Mais tout le reste, je garde. Donc je suis quand même contente parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je garde. D'habitude, je renvoie plus que je garde. Et là, du coup, bah, c'est bien parce que c'est que des trucs qui vont me servir pour cet hiver où je vais avoir bien bien chaud. Le gilet, le pantalon, j'adore. Voilà, les petits hauts à manches longues, je vais être bien dedans. Donc ça, c'est cool. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Tous les liens seront en barre d'infos, évidemment. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !